Salut à tous les amis, on se retrouve chez le dans le bâtiment devant. Et donc on s'était quitté. Je discutais avec Monsieur Rochard. Il me demandait d'amener une lettre à un certain Pierre au village Miokara. Donc voilà. Maintenant, tu dois savoir que je suis un grand directeur. Je ne suis donc pas radin au point de demander un service sans contrepartie. Alors j'aimerais que tu prennes ça. Un Pokénav. Cet appareil, c'est un navigateur Pokémon ou Pokénav pour faire plus court. C'est un outil indispensable dans la quête de tout dresseur. Il y a une carte de la région d'Oen. Tu pourras facilement voir où se situent Miokara et Poivre Sel. Ok, merci. Donc, je vais vous montrer où ça se situe. Non, c'est pas là. Donc normalement, Pokénav. Carte de ON. Donc nous sommes partis de Bourg-en-Vol. Nous sommes allés à Rosière. Nous avons affronté Flora sur la route 3. Nous sommes passés à Clémentiville. Donc ici c'est là où se trouve la maison de Monsieur Marco. Ici c'est Merouville. Et Miokara se trouve ici. Poivre Sel c'est ici. Donc voilà. Donc on va aller au village Miokara. Allez hop. Donc je vais d'abord aller soigner mes Pokémon parce que depuis que j'ai affronté Roxane, je ne suis pas allé les soigner. Alors c'est plus au sud. Voilà. Hop, donc mes Pokémon, ils sont soignés. Et maintenant, on fonce au village Miokara. Je sais pas comment on va y aller. Peut-être en allant voir Monsieur Marco. Je sais pas. Tiens, il y a Flora. On va lui parler. Oh, salut LP. Comment ça avance ton Pokédex? Le mien est plutôt pas mal. J'ai utilisé toutes mes Pokéballs au bois Clémenti pour attraper le plus de Pokémon possible. Le plus possible de Pokémon. Est-ce que j'ai un Pokémon qui pourrait apprendre coupe? Parce que je pense que ça peut m'être utile. Oui, c'est parfait. Mon Paracool peut. Et il me semble que j'ai vu. Voilà. Ici, je pense que c'est un raccourci. Enfin, j'espère. Oh, ça a pas l'air. Donc, je tombe sur un Blindalice. Donc, un Blindalice évolue en Papinox et un Armulis en Papillusion. Non, pas Papillusion. En je sais plus son nom. En Charmillon, voilà. Donc là, on va éviter de tomber contre ce dresseur. Les dresseurs, je vous inquiétez pas, je les ferai en off. Pour l'instant, en fait, c'est juste pour avancer dans l'histoire. Une Pokéball, un objet, et c'est un objet attaque plus. Donc cet objet sert dans les combats de Pokémon pour augmenter l'attaque de son justement de son Pokémon. Parfois il y a des choses par terre qu'on ne peut même pas voir. C'est pour ça que j'ai fait toujours attention, je marche.
Donc, il me semble que dans ici il y a un objet, une potion. Donc, tu vois, il n'y avait pas de Pokéball avant et pourtant il y avait un objet au sol. Tiens, une route 4. Alors, si tu essaies de prendre le Pokémon de quelqu'un d'autre, c'est du vol. Tu ne devrais lancer des Pokéball qu'au Pokémon sauvage. Merci. Hop, une Pokéball. Et donc là, on arrive où? Justement, devant Monsieur Marco. Hop. Attends, mon petit Pico, viens ici. Hein, tu es LP? Tu as sauvé mon Pico adoré? Nous te devons une fière chandelle. Comment, tu veux embarquer avec moi? Alors comme ça, tu as une lettre à destination de Myokara et un paquet à déposer à Poivre Sel. Tu ne dois pas avoir le temps de t'ennuyer. Quoi qu'il en soit, pas de problème, je peux t'aider. Tu as frappé à la bonne porte. On met le cap sur Myokara. Village Myokara, nous voilà. Levons-en, Pico, mon chouchou. On met les voiles. J'adore cette musique. Allez, donc voilà le village Myokara. Je suppose que tu vas aller remettre cette lettre à ce... comment... Pierre. Donc il y a une arène Pokémon ici. Donc on va aller voir quel type il maîtrise. Arène Pokémon du village Myokara, champion Bastien. Une vraie déferlante au combat. Donc je dirais qu'il maîtrise le type combat. Mais ça, ce sera au prochain épisode. Allez, à plus!